Bonsoir, bonsoir, nos émotions et nous. Ce soir, je reçois une personne qui est chère à mon cœur. Je vous laisse arriver. Vous avez vu, j'ai mis des petites fleurs aujourd'hui, ce soir. Hop là, je me recoiffe. Bonsoir Thérèse Marie, bonsoir Maa. Alors Thérèse Marie, qui n'a jamais fait de live et qui a le trac. Bon, soit dit en passant, je fais un petit message subliminal à mon amie Claire, qui me fait faux bon pour le mois de mars, hein, parce qu'elle me dit qu'elle ne veut pas être dans la lumière et que c'est pas son truc. Je veux juste dire à tout le monde que c'est pas forcément mon truc non plus d'être dans la lumière. Mais que, bonsoir Marie, mais que voilà, être dans la lumière, des fois, c'est aussi une façon de partager aux autres, en fait. C'est ça que j'ai envie de faire dans nos émotions et nous, c'est partager nos émotions et nos différents sujets qui peuvent aussi apporter de la lumière à ceux qui sont dans l'ombre. Voilà, c'est pour ça. Et oui, bah oui, moi au début, quand je me suis jetée à même si j'aime la lumière, hein, je préfère la lumière à l'ombre, c'est pas toujours très confortable. Mais après, une fois qu'on est dedans, on dit « Oh, bah, vraiment, je me suis fait tout un film pour rien. Coucou !» Bonjour. Voilà, Thérèse Marie, son premier live. Donc, je me recale, tu vois, je suis comme toi. Hop là. Toi, t'es déjà bien calée. Eh bien, écoute, je suis super contente de te voir. Bonsoir à tout le monde, c'est super gentil d'être là. Voilà, j'imagine que t'as des amis à toi qui viennent se joindre et voir ta trombine discuter sur plein de trucs. Hein, voir si j'ai grandi. Ouais, coucou Fabienne. Voilà, bonjour à tous ceux que je ne connais pas, bonjour à tous ceux que je connais. Manon. Ouais, c'est super cool. Donc, je connais Thérèse Marie depuis quasiment un an et donc, je suis très contente de vous la présenter parce que voilà, pleine de talents, de ressources et puis on a des points communs sur différents angles, on va dire. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit que c'était cool aussi de parler de créativité, de création. Et donc, voilà. Donc, ma partie, c'est Fleur de Bac. Donc, tu te doutes bien que j'ai dégainé quelques petites cartes au cas où. Mais bon, c'est pas forcément une obligation. Mais je me dis, c'est toujours bien quand on aborde certains sujets, tu vois, de pouvoir soutenir avec des Fleurs de Bac. Et puis, je te laisse te présenter surtout. Bah donc, moi, c'est Thérèse Marie. Je suis enseignante, artiste et entrepreneuse. Et voilà, je vais mon chemin du mieux que je peux avec... mes crayons, mes couleurs, et voilà, je suis heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous. Ouais, et tu fais pas qu'avec les crayons, hein. Tu non. as des outils techniques, très techniques quand même, hein. Oui, moi ça peut aller de la gouache à l'aquarelle, crayon couleur, ça peut être aussi du dessin numérique, ouais. Ou du collage. Voilà, mon métier de professeur me demande de toucher à tout, et donc... je fais en fonction des envies. Et donc, tu es professeur dans un espace public, privé. Et quel type d'élèves tu as aussi? Alors, j'ai des élèves de secondaire, ouais. Donc de 5e et 6e, donc en fin de cycle. Voilà, en section artistique. J'ai des grands, voilà, ouais. Des grands ados. D'ailleurs, j'en vois deux, trois qui sont là. Des filles, bonjour les ados, vous êtes les bienvenus. Et du coup, à ton accent, on peut présupposer de la provenance. Accent, moi. Oui, c'est moi qui ai un accent pour toi, pour le coup. Sauf que c'est moi qui t'invite et je t'invite en France, en métropole. Et du coup, toi, t'es où? Ben, moi, je suis en Belgique, voilà, à Mons. Ok, c'est cool. Et tu donnes des cours aussi en privé à des gens, des adultes, des adolescents, oui. Des enfants? Je donne des cours une fois par mois à des adultes, okay. Un atelier autour de la créativité et des outils artistiques. Voilà, un atelier pour se faire du bien et découvrir, toucher un peu tout dans l'art, en tout cas au niveau du dessin et de la peinture. Mais surtout, c'est pouvoir s'offrir ce temps et le prendre pour soi. Et voilà, je suis là pour faire découvrir des techniques, mais aussi de les emmener dans leur créativité individuelle. Et du coup, quand c'est en cours, c'est toi qui décides du programme et il y a tout un cursus comme ça, du début jusqu'à la fin de l'année. Dans les ateliers pour adultes, je fais vraiment comme j'ai envie. Oui. Donc souvent, c'est en fonction de ce que moi j'ai envie de faire.
dans quelle pratique je me suis plongée une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant et que j'ai envie de repartager parce que ça m'a fait du bien à moi. Et donc, je me dis que ça peut leur faire du bien à elles parce que ce sont toutes des femmes pour l'instant. Ouais. Donc voilà, à l'école, là, bah, j'ai un programme à suivre, même si je fais quand même un peu ce que je veux en fonction de ce que j'ai envie de leur apprendre et aussi en fonction de mon énergie du moment. Voilà. Bon, je vais déjà poser la question à tous ceux qui sont présents, qui ont envie de rester avec nous tout au long du live. Après, bon, bah, ceux qui regarderont en replay, on répondra aux questions au fur et à mesure. Mais est-ce que vous avez déjà voilà, eu la possibilité de créer? Est-ce que c'est votre truc? Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que c'est une source d'angoisse? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est fluide? Voilà, comme ça, on pourra aussi répondre en termes émotionnels et puis sur la technique, peut-être, pourquoi pas avec Thérèse Marie. Et puis le sujet, c'est aussi la rencontre vers soi. Quête, c'est comme ça qu'on l'a appelé aussi. Hein, quête vers soi. Et du coup, comment tu abordes toi ce sujet par rapport à toutes tes compétences, donc au-delà de la technique, parce que la technique est intéressante aussi, cette quête de soi. Voilà, moi, si je parle par exemple de mon expérience, j'ai toujours fait des choses avec mes mains. À l'époque, quand j'étais petite, je ne savais pas que ça s'appelait artiste, hein, mais en même temps, ça s'appelait aussi peut-être enfant, tout simplement, je ne sais pas. Tous les enfants ne font pas des choses avec leurs mains non plus. Je ne sais pas si toi, tu as observé ça, mais j'ai vu des tout petits, quand j'ai été maman, qui ne supportaient pas, par exemple, avoir de la matière sur les mains. Hein, tu vois, avec une grosse aversion, une grosse angoisse même. Alors, je me pose la question, c'est une question ouverte, hein, je ne sais pas si ça venait d'eux de façon intrinsèque, ou si c'était eux, à travers le regard aussi des parents qui portaient sur les mains sales ou les vêtements potentiellement, tu vois, tachables. Oui, Donc, je ne ça. sais pas, ouais, je sais pas si ça fait écho à toi et à tous ceux qui nous regardent, parce que moi, c'est quelque chose auquel je me suis confrontée en tant qu'adulte. Mais moi, en tant qu'enfant, par contre, j'ai eu une grande liberté par rapport à tout ça. Oui, moi aussi, en tant qu'enfant, j'ai touché à tout. Je suis née dans une famille très manuelle. D'ailleurs, on est 5 frères et sœurs et bon, on a tous des métiers manuels. C'est bien simple. Et maman a toujours beaucoup fabriqué nos jeux aussi. Oui. Elle faisait des magasins en carton, etc. Par rapport à la version, oui, il y a des enfants comme ça qui n'aiment pas être salis. Oui. Et je pense aussi que ça vient du cadre parfois. Ou naturellement, mais pourquoi pas? Naturellement aussi, ouais. Je pense qu'il y a un peu des deux, tu vois. Il y a des, c'est comme des mamans des fois qui viennent me voir en disant, mon enfant ne supporte pas, tu sais, la texture d'un vêtement sur le corps. Coucou à tes potes. Et du coup, bah, c'est pareil, tu vois, au niveau de la texture, du choix, du, comment dire, je sais pas si on dit du, enfin, de l'outil, du médium, du ce qu'on fait entre les mains. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à évoluer, où j'ai rentré dans une école d'art, entre guillemets, le fusain, par exemple, c'était une matière avec laquelle j'étais extrêmement en guerre, tu vois. Y a C'est des... poussiéreux, ça salit, c'est Ben, on en fait, ça se maîtrise pas trop, c'est très friable. Et puis, ça fait. fait pas des, comment dire, tu sais, quand je prenais des cours de croquis de nu, quand tu fais avec des crayons un peu graphite ou un peu du crayon gris, tu peux avoir des H qui sont très secs ou des B très gras. Et puis là, le fusain, ça part des fois un peu dans tous les sens. Même à tailler, c'est compliqué, c'est très complexe. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de parler du matériau. Et des fois, si on fait une mauvaise expérience avec un, je sais pas comment tu l'appelles, un matériau ou une Une technique, technique, on va dire, oui, technique, technique. eh bien, je trouve qu'on peut se fâcher avec notre propre créativité. Ou peut-être mettre carrément une croix dessus en nous condamnant, alors que c'est peut-être la technique qui ne nous correspond pas finalement. Oui, il y a des techniques évidemment par lesquelles on est intuitivement attiré, et puis d'autres qu'on n'utilise pas parce qu'on ne les connaît pas, C'est ça. voilà, au niveau de leurs possibilités techniques. Ben, l'idée, c'est de, si on a l'occasion, c'est de toucher à tout et de voir un peu à quelle technique on est plus sensible. Il y a toujours une ou deux techniques de toute façon de prédilection, ça c'est certain. Maintenant, moi j'aime bien aussi me dire qu'en fonction de l'œuvre que je vais créer ou du message que j'ai envie d'envoyer, ben, quelle technique va répondre au mieux à mes attentes si je veux construire l'œuvre d'abord par un message, quoi. Parce que ça peut être inversement, hein. Je peux utiliser une technique
pas savoir ce que je vais faire, juste pour le plaisir de l'utiliser. Et puis là, je laisse parler ma créativité et je vois ce que ça donne, quoi. Et du coup, tu pars plus au départ, et même dans tes cours, plus sur une idée initiale, d'un besoin d'exprimer quelque chose, donc peut-être la quête du soi, ou alors c'est d'abord, ou alors c'est une attirance par une technique qui fait exprimer la quête de soi. Bonsoir, Sisonou. Oui, Qui se bonsoir, carré. bonsoir Jamila aussi. Ça dépend de mes moments. J'ai des moments où vraiment c'est un besoin intérieur de peindre. C'est un moment un peu sacré comme ça où voilà, je m'enferme, je m'installe, je ne sais pas ce que je vais faire. Et je crée, et là je vais choisir des techniques, plus souvent ça va être l'aquarelle, le crayon de couleur, qui me sont plus, je sais pas, connectées, etc. Puis j'aime bien faire des choses plus techniques, et là moi ça va être la gouache et le crayon de couleur, Oui. je sais vers quoi je veux aller, ou maintenant le dessin numérique, donc avec une tablette, un stylet, voilà. Ou parfois, ben là, je dois chercher techniquement, donc je vais choisir autre chose parce que c'est la technique. Ben voilà, je dois faire un grand format, ben, je vais pas le faire à la gouache, je vais prendre l'acrylique, quoi. Donc ça dépend dans quel état d'esprit et le but en soi de l'œuvre. Ou voilà. Et du coup, par rapport à ta pédagogie d'enseignante, alors soit dans les cours, mais là, comme tu dis, il y a des choses qui sont très cadrées, enfin enseignées, programmées plutôt qu'enseignées, mais peut-être dans tes cours personnels avec lesquels tu accompagnes les personnes, la demande initiale, c'est quoi? C'est plutôt apprendre une technique ou c'est plutôt une quête de soi, une réalisation, ou toi, tu fais des packages de programmes où tu invites justement les ados ou les jeunes adultes, les adultes, peu importe, à exprimer leur potentiel, leur talent, puisque chez toi, j'imagine que tu as tout un variable de technique et pour trouver des techniques, des fois on n'a pas toujours les moyens financiers de se dire bon bah je vais dans telle boutique et je me fais une boîte d'aquarelle, puis après non je passe à la gouache, non finalement je préfère l'huile, ben non l'acrylique c'est quand même pas mal parce qu'on le sait tous, c'est quand même un sacré budget. C'est pas toujours. Alors ça peut être aussi de la poterie, enfin il y a plein de manières d'expression. Voilà, c'est. Après on va pas partir dans le tricot et tout le reste, ou le collage, non mais tout ça fait partie de la création. Ouais. Dans mes cours adultes, dans mes ateliers créativité, là, je pars dans l'esprit d'accueillir les gens qui ont cette envie de toucher au dessin et de la peinture, Oui. ils n'ont peut-être jamais osé le faire. Je viens aussi dans cet esprit de pouvoir s'accorder un temps, 4 heures à soi, dans une ambiance propice à la création. Et moi, je viens avec tout le matériel et je propose des ateliers où on touche des techniques différentes. Par exemple, un mois, on va faire de l'aquarelle. Et par exemple, le mois passé, j'ai fait de l'aquarelle intuitive et méditative. On a peint dans l'eau, on a laissé la peinture aller sur le papier et puis ben, on l'a regardé, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va dessiner dessus, qu'est-ce qu'on va dessiner, etc., etc. Alors, ce cours-là, j'ai des gens qui n'ont jamais dessiné et d'autres qui ont déjà un peu dessiné. Le cours prochain, ça sera sur le collage. Voilà, et puis j'ai déjà fait sur la gouache, le crayon de couleur, le crayon graphite. Voilà, c'est un peu comme j'ai envie, mais j'ai envie qu'elles touchent un peu à tout, mais que surtout qu'elles se reconnectent à leur créativité et leur montrer qu'en fait, elles peuvent faire aussi de belles choses. Il faut simplement que je leur donne les bases pour commencer à se lancer tout petit doucement. Alors justement, les bases, c'est que du technique ou c'est une base Non, aussi non, non. émotionnelle du vas-y, lâche-toi, fais-toi confiance. Oui, non, c'est pas que du technique. En fait, au début, je montre, Oui. j'explique quelques points techniques, les couleurs, par exemple, s'il y a des couleurs chaudes, couleurs froides, qu'on peut faire des dégradés. Si on travaille la forme, par exemple, je vais expliquer la composition.
Alors, je dessine devant elle, voilà, des choses pas très très compliquées et pas très théoriques. Puis, ce que je fais, c'est que je montre beaucoup de bouquins d'illustration pour leur montrer, ben, regardez, avec cette technique-là, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la pure technique artistique, quoi. Et puis, je leur dis toujours, je vous donne des consignes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Le tout, c'est que vous vous amusiez, que vous trouvez votre chemin artistique à vous. Et faites-vous plaisir surtout. Et puis, ben moi, je passe. Et je dis, ben voilà, si tu veux aller dans ce chemin-là, c'est super bien. Mais regarde, si tu rajoutes ça ici, regarde la différence. Donc, enfin, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment un mélange des deux. Voilà. Et du coup, par rapport à cette permissivité, il y a des gens qui arrivent et qui arrivent de zéro, et il y a des gens qui arrivent et qui sont. Alors là, on part d'un cours en présentiel ou un cours en visio? Là, c'est un cours en présentiel. Parce que Ok. effectivement. Et ouais, parce que c'est vachement important de savoir dans quel contexte on est. Quand on est en groupe, est-ce qu'on a tendance à se comparer les uns les autres? Comment ça se passe au niveau de sa propre quête de soi par rapport aussi à l'environnement? Déjà, on est tous adultes et bienveillantes. On a Oui. toujours ce même esprit. Oui. On n'est pas dans la compétition. On sait tous qu'on a des parcours différents. On a des âges aussi différents. Alors, je ne suis pas là à montrer tout le temps les dessins de tout le monde. Par contre, chacun reste bien à sa place. Mesure Covid oblige, Oui, c'est j'ai clair. envie de dire. Mais à la fin du cours, je vois toujours un moment où les gens, elles commencent à ranger et puis elles vont voir ce que les autres ont fait. Mais sinon, elles arrivent toutes bien à se mettre dans leur bulle. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un grand local et donc je peux vraiment les mettre chacune sur une table. Et elles se font comme ça, 4 heures rien qu'à elles. Voilà. Et ça, c'est pour le présentiel, effectivement. Parce que j'ai encore autre chose en distanciel. Une formation en ligne aussi. Et alors, du coup, là, la quête de soi par rapport Oui. à ces cours-là, est-ce que tu trouves qu'il y a de la place? Est-ce que c'est toi qui la donnes? Est-ce que c'est les élèves ou les étudiants, je ne sais pas comment tu les appelles, qui eux-mêmes vont connecter à leur peut-être la réconciliation aussi. Alors peut-être pas forcément pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin de se réconcilier, mais justement de la quête. Alors, chez Claude Jour, j'en parlais avec un copain qui me disait, oui, la quête de sens, comme s'il fallait toujours trouver du sens. Bah oui, bah, des fois. On a aussi envie d'en trouver du sens. Et puis des fois, le sens émerge sans qu'on ait à le chercher non plus. Oui, j'ai envie de dire que la quête de sens, c'est surtout dans la relation qu'on a l'une avec l'autre et dans les échanges. C'est pas dans mes consignes, c'est pas dans le cadre que je vais mettre, c'est vraiment dans ce qu'on vit et surtout après dans le dialogue que j'ai individuellement avec chacune. Et le sens qu'il y a surtout derrière ça, c'est bah, aller chercher l'estime de soi, être fier de son travail. Aligné avec un bien-être du moment présent, et je pense que c'est toutes des choses qui ne se disent pas, mais qui font partie du package que je donne, quoi. Parce que quand on arrive dans un cours, on arrive aussi avec son histoire personnelle et on arrive aussi avec le bordel qui vient d'avant, de genre j'ai pas trouvé de place pour me garer, mon mec m'a pris la tête, mes mômes, Oui, c'est aussi. hein, le môme était malade et je culpabilise d'être au cours alors que je devrais être chez moi. Tout à fait. Le conditionnement émotionnel comme, parce que je vais te montrer quelques fleurs par rapport à, comme Oui. tu dis, voilà, l'estime de soi, mais comment tu gères ça, justement, la présence de l'individu, la personne elle-même, ce avec quoi elle se transporte pour faire cette bulle de 4 heures? Des fois, on n'arrive pas non plus à lâcher prise aussi sur ce qui se passe, tu vois, dans nos vies. Et des fois, on met du temps aussi à se créer dans cette bulle, en fait. Je sais pas, enfin, je suis pas dans tes cours de 4 heures, hein, Thérèse Marie, Oui, mais oui. tu Bah, vois, mais soit je sais tout ça. elles sont impatientes de s'asseoir, de s'installer, et puis je vois Ouais. bien qu'elles souffrent et qu'elles se laissent guider, qu'elles se disent je me laisse emporter Ouais. et j'oublie. Alors parfois, oui, c'est déjà arrivé, ou une ou deux sont arrivées parce que voilà, il y avait elles avaient eu une fuite ou un truc, et là j'ai bien vu pendant les 4 heures, c'était compliqué de se reconnecter à une activité où tu es censé stresser, enfin, censé te concentrer, mais dans ta tête tu es C'est stressé. ça. Donc ça, tu la connais, White Chestnut. Oui, tout à fait. Au passage, Thérèse Marie m'a fait. Bon, il faudra scroller hein, sur mon film, mais Thérèse Marie m'avait fait un super joli dessin pour représenter les fleurs qu'elle avait prises à l'époque. Il y en avait cinq, hein, aussi. Oui, Ouais. cinq.
Et donc, du coup, il y avait White Chestnut. C'est pour ça que je dis c'est une private joke. Mais en même temps, voilà, une très, très beau, jolie illustration avec les cinq fleurs. Et donc, White Chestnut, c'est la fleur de, voilà, de tout ce qui nous préoccupe et qui nous empêche d'être bah, dans ces 4 heures de cette bulle de co-création avec, avec soi, avec la technique et avec cette inspiration qui nous est propre à chacun. Mais on ne peut pas se laisser inspirer et infuser, même par ta présence ou la présence des autres, tant qu'on est encore branché sur le truc de là-haut, quoi. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, il y en a qui arrivent très très bien oui. Après à lâcher prise et à, voilà, à être avec elle-même et le dessin. Et puis d'autres, parfois pas. Mais c'est pas grave, mais c'est rare. Hein, oui, vraiment. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, par rapport à l'estime de soi, je montre l'arche. Quand on, bah, c'est peut-être pas le cas de tes étudiantes parce que tu me parlais d'étudiantes, parce que elles sont peut-être dans une estime d'elles-mêmes qui est déjà très costaud. Je sais pas parce que peut-être qu'il y en a. Non. Alors. Non, non, parce que en plus, novice parfois dans le dessin ou la peinture, c'est très compliqué de se dire qu'on va pouvoir y arriver et de faire quelque chose de beau entre guillemets. Et donc, en fait, mon défi le plus dur, c'est ça. C'est d'aller leur montrer qu'elles ont les capacités et que si, si, ça a de la valeur ce qu'elles ont créé, parce que de toute façon, elles l'ont créé. Et c'est ce qui est le plus dur, aussi bien chez les adultes que chez les ados, surtout d'ailleurs, j'ai envie de dire, chez C'est les ce que adultes. j'allais dire. Et du coup, est-ce qu'il y a une attente de résultat, une dépréciation par rapport à justement, bah là, peut-être les ados plus dans la classe Ouais. ou Il y pas? a, y a plus une attente de résultat, de comparaison aussi les uns C'est avec les ça. autres. Voilà. Alors que en art, on n'a pas comment une ligne comment spécialement atteindre où tout le monde doit être au même niveau. On a vraiment chacun son chemin, son rythme, c'est des capacités différentes. Et comme je dis toujours, quand je donne un même sujet avec une même technique, je vais avoir, s'il y a 17 élèves dans ma classe, 17 résultats. Et je dis, c'est ça qui est magnifique. Magnifique. Et heureusement, j'ai pas 17 mêmes dessins, quoi. C'est clair. Et ça, j'essaye de leur faire comprendre le plus possible parce que cette richesse-là, et dans l'art, c'est cette richesse de la diversité liée à notre personnalité, notre savoir-faire ou pas, parce que le fait aussi de ne pas savoir-faire, ça donne un autre rendu. Et voilà, c'est autre chose, mais ça a tout aussi tout son honneur autant que l'autre, quoi. Eh ben moi, tu vois, ça me revient à l'esprit en t'écoutant. On parlera après de tes cours en ligne aussi, justement, sur la quête de soi, et parce que ça fait partie du package aussi de la création et du processus créatif, à mon sens, tu vois. Mais moi, j'avais un prof quand j'étais ado, et c'est le regard et la bienveillance qu'il a eu sur moi et sur ce que je faisais qui a pris toute la place, en fait, dans mon estime de moi qui était très très dévalorisée parce que j'ai eu des notes mais j'avais que des 18, des 19 et des 20 avec lui. Et si j'ai encore son bulletin, je séchais des cours à la fin et j'allais chez lui pour travailler mes futurs cours pour passer mes concours. Et il s'appelait Monsieur Michel, lycée Montaigne. Bon, c'est dans les années 70. Je suis pas sûre que si quelqu'un un jour passe par là, peut-être qu'il l'a eu dans ses cours. Mais donc j'étais à Paris et c'est un homme qui m'a. Alors à l'époque, il était déjà assez âgé, hein, je pense. Enfin, bon, après, quand on est ado, on trouve que tous les gens sont vieux, sont tous des darons, tu vois. Quand t'as pas 14 ans, le reste c'est des vieux. Mais c'est un homme qui a bouleversé mon chemin finalement, parce que s'il n'avait pas été là dans sa bienveillance, son regard et cette autorisation justement à valoriser ce que je pensais moi être déjà quelque chose qui me tenait à cœur, mais voilà, il y a des gens comme ça dans la vie qui déterminent aussi comment dire, le chemin de ces ados, parce que bah, on est hyper fragile à cet âge-là. C'est très compliqué de se construire hein, dans ces moments de vie très atypiques. Et c'est un peu la jungle quand même hein, quand on est ado. Et du coup, bah, voilà. Oui, Merci à tous les profs de dessin qui ne sont pas des matières hyper valorisées au collège et au lycée. Alors ça dépend peut-être maintenant, mais en tout cas, moi je parle de ça il y a un sacré bout de temps, et quand on n'était pas soit en maths, soit littéraire, le reste, faire du dessin, tu te fous de la gueule du qui en fait, en gros, tu vois.
Et alors que oui, pour moi, j'aurais passé toute ma vie à faire que ça finalement. Donc, y a des profs qui sont, voilà, c'est vraiment des vrais cadeaux sur notre route, hein. Et je pense que tu dois en faire Oui, partie. ben, on sous-estime un peu la valeur d'un prof. On est bien Complètement. plus qu'un donneur de leçons, mais on peut tellement être plus pour ces élèves qui ont parfois des parcours ou déjà des bagages derrière eux qui traînent. Et on peut être comme ça ponctuellement des petites lumières sur leur chemin. Et c'est là toute la valeur. Pour moi, en tout cas, d'un prof, c'est pas seulement donner son savoir, mais c'est tout ce qui va autour, quoi. Comment on le donne, comment on entre en relation avec l'élève, parce que c'est une communication, c'est une relation, et donc tout ce qui va avec une relation. Et pour moi, c'est très important. Voilà. Après, moi, je parle de prof, mais là, je parle de prof de dessin. Parce Ouais. qu'un prof de maths, c'est OK, tu vois. Oui, Mais oui, il est oui. Bah. déjà sur un espèce de monde de piédestal qui fait qu'il a une espèce tu vois, de légitimité à être prof, quoi. Les autres, c'est un peu des guignols. En fait, c'est comme la musique, le sport et le dessin, quoi. Oui, bah après, pas tous, hein. Ils sont Ben, pas. ça a dû évoluer. Mais moi, de mon Oui, temps, non. tu Dans ton vois. temps, c'était comme ça, oui. Et oui. Voilà, c'est comme dans tout métier, il y a un peu de tout. Mais c'est sûr que dans les cours de dessin, ce qui est particulier, c'est l'échange qu'on peut avoir avec nos élèves, puisqu'on donne des consignes. Et puis, on va parler de nous, on va échanger beaucoup plus que dans un cours, on va dire, beaucoup plus théorique, Bien sûr. puisque le dessin, c'est du partage. Et il y a un enjeu Wow. émotionnel terrible, quoi. Oui, Et oui, quand je dis de mon temps, c'est aussi même de mon temps de maman, tu vois, parce que mes trois enfants ont eu aussi, bah voilà, tu vois, des rapports avec des profs qui étaient bienveillants dans la musique, notamment, tu vois. Oui. Ce n'est pas des cours hyper valorisés, ces cours-là. Donc, Non, c'est dommage, mais en voilà. tout cas, en France, c'est pas, voilà, Ouais. tu peux aller au conservatoire de musique, mais c'est tout, en fait. Et tu fais ça, en général, en dehors des cours, quoi, tu vois. C'est Et puis pas ça apporte tellement d'autres compétences aussi bien sûr. dans plein de domaines, et une ouverture d'esprit. Voilà, moi je dis souvent à mes élèves, on a de la chance d'être ici, hein, parce que C'est clair. tout ce qu'on partage, tout ce qu'on vit, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est des petites graines sur le chemin qui après vont nourrir, si pas dans l'art plus tard, autrement sur leur chemin. Et voilà, enfin, c'est ça que j'aime bien dans mon métier surtout, en fait. Alors pour tes cours en visio, qu'est-ce que tu proposes sur la Alors, quête de soi et sur la créativité, sur l'art, etc. ben voilà, il n'y a pas très longtemps, donc j'ai sorti une petite formation en ligne créative. Et l'idée, c'est un peu de retranscrire l'énergie qu'il y a dans mes cours adultes. Donc, pour le plus grand nombre, celles qui n'auraient pas la chance de venir à mes cours, voilà, ou qui habitent comme toi au fin fond de la France. Et donc, l'idée, c'est d'oser prendre du temps pour soi et de se reconnecter à sa créativité. Il faut pas savoir dessiner ni peindre de nouveau, et j'amène pas à pas. Alors dedans, il y a aussi des méditations, vraiment pour se mettre dans son cocon, dans cette bulle, se reconnecter à son intuition, sa créativité, et créer ce qu'on a envie au final et se faire plaisir. Ça, c'est vraiment le premier objectif, c'est se faire plaisir. Voilà. Alors, je te montre cette fleur-là, ce que tu viens d'en parler, de se reconnecter à son intuition. C'est la fleur Serrato. Alors, je ne sais pas si tu as ce type d'élève, alors en visio ou en présentiel. Ça parle de cette intuition qui est déconnectée de l'individu parce qu'on a trop tendance à demander à l'extérieur l'aval de ce que l'on fait. En tant que, bah là, pour le coup, en tant que créateur, en tant qu'artiste, en tant qu'étudiant, peu importe, enfin, par rapport à ce qu'on fait. Et du coup, on va surtout te demander à toi et de valider est-ce que ce que je fais, c'est bien, Thérèse Marie? Est-ce que c'est comme ça que je devrais le faire, etc. Tu vois? C'est comme si toi, tu te déconnectais de ta capacité à penser que ce que tu es en train de créer, ça a toute sa place, ça a toute sa valeur et c'est exactement juste. Ben en fait, on se déconnecte de ça pour aller demander, pour aller te demander à toi et de valider que ce que moi je fais, c'est bien ou c'est pas bien. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens aussi comme ça qui vont tout le temps faire référence à ton regard ou à ton expertise. Bah, tout dépend de l'objectif, pourquoi ils sont venus me chercher. Oui, bien sûr. Donc, si effectivement, il y en a deux, trois dans le groupe, elles viennent pour mon côté technique, parce que c'est des dames qui ont déjà fait
l'académie qui ont déjà fait beaucoup de cours de dessin enfin, sur leur chemin. Et elles viennent vraiment chercher le conseil technique que je peux leur apporter dû à mon expérience, quoi. Oui. Voilà, d'autres, elles entendent mon conseil technique, mais après, elles partent un peu, vivent leur vie, et ce qui est très bien. Moi, j'aime bien les deux et je peux faire les deux, donc c'est super, quoi. Il y a quelqu'un qui te fait un petit coucou, je sais pas si je connais. Et du coup, comment ça se passe pour les méditations? Il y a une thématique sur les cours que tu donnes en ligne comme ça? Oui, alors donc les cours en ligne, vous les suivez un peu quand vous voulez, où vous voulez, vous pouvez me faire des retours par mail. Et alors les deux méditations, c'est des méditations que j'ai mis en place sur l'intuition et connecter à sa créativité et son cœur et sortir ses couleurs, quoi. Et donc l'idéal, c'est ce que je conseille un peu dans la formation, c'est de regarder d'abord la vidéo en premier en rapide pour voir un peu ce que je vais demander, de faire la Oui. méditation et puis de suivre les étapes ou de suivre les étapes avant, faire la méditation, on éteint tout et puis on fait le dessin tout seul dans son cocon. Ça, c'est un peu voilà comment la personne se sent en ce moment-là aussi. Et sur le plan émotionnel, quelles sont les émotions les plus récurrentes que tu découvres avec tes étudiants ou les personnes qui viennent te contacter, qu'est-ce qui te semble le plus caractéristique par rapport à la demande de se faire accompagner dans la créativité, dans la... Ben, ça commence toujours par une petite peur quand même, Oui. peur de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pouvoir le faire, est-ce que je m'autorise à le faire, ça aussi, s'autoriser à prendre ce temps pour dessiner, peindre, chose qui n'est pas urgente ou importante aux yeux du plus grand monde. Voilà, et après, c'est la joie, la satisfaction d'avoir réussi et d'avoir un résultat final. En tout cas, et d'avoir pris ce temps et ce moment de plaisir. Voilà. Et après, vous faites un petit débriefing justement sur la quête de soi, sur le sens de tout ce qui a été vu, évoqué, Oui, traversé, ou c'est au fur et à mesure que ça se passe, ou on dans le papote processus tout en créatif. dessinant, parfois on parle pas. Ça Oui. dépend vraiment de moi en moi, c'est jamais la même chose. Oui. On vient pas toujours avec la même vibration au cours non plus. Donc, parfois je leur raconte mes aventures, eux me racontent les leurs, c'est gay, ou parfois on dit rien, et on est dans sa bulle. Voilà. Parce que c'est pas de l'art-thérapie ce que tu fais, mais en même temps, c'est Ah. c'est ça le truc, tu vois. Est-ce que quelque part, tout art n'est pas thérapeutique? C'est un peu la question, tu vois. Ou activité, manuelle ou sportive? Tout devient thérapeutique à partir du moment où on est plongé dedans, dans une énergie qui est connectée à soi, qui est connectée au cœur. Finalement, la cuisine peut être thérapeutique. Bien sûr. Voilà. Après, je trouve que dans le dessin, il y a des choses qui émergent, qui... Enfin, je veux dire, dans la cuisine, entre guillemets, si ça se trouve, tu vas me dire, mais tu dis n'importe quoi. Mais quand tu veux faire une pâte à crêpes, tu Oui. sais que si tu mélanges de la farine, de l'eau et des œufs, ça va faire une pâte à crêpes, entre guillemets, tu vois. Par contre, quand tu as une technique, un papier et tes mains et toi, ben, tu sais pas trop ce qui va arriver en fait. Même si on te dit que si tu diriges ta main comme ça et que tu trempes ton pinceau dans l'eau et que tu vas le mettre là et que tu poses ce pinceau ici, il se passera quelque chose. Mais des fois, il se passe pas du tout ce à quoi. Parce que comme tu le dis, s'il y a 17 feuilles blanches avec 17 pinceaux et 17 couleurs rouges et 17 pots d'eau, il y aura peut-être 17 formulations différentes. Tout à Et fait. ça, pour Et le coup. 17. Ah, par contre, si tu fais le truc, il n'y aura pas 17 crêpes. Dire de la pâte à crêpes, il y aura de la pâte à crêpes. Enfin, j'exagère, mais tu Oui, mais comprends ce que je veux derrière, il y dire? aura peut-être 17 personnes heureuses d'avoir des crêpes. En tout Oui, cas, mais ça, c'est clair, hein, je suis quand on d'accord. dit qu'on fait des crêpes, c'est festival. Ouais, j'adore les crêpes, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, y a toujours une attente de résultat en tant Oui. qu'art, et en même temps, ce chemin initiatique pour arriver à ce truc qui débarque, et ben, c'est là où je trouve qu'il y a le processus créatif qui est thérapeutique aussi.
et le résultat aussi, tu vois, c'est double effet qui se coule. Après, il y a beaucoup de satisfaction quand on est tout petit de faire une pâte à crêpes, parce que c'est la première pâte à crêpes. Je veux dire, quand tu l'as fait 700 fois, tu fais OK, la pâte à crêpes. Mais dans le processus de la créativité, en tout cas avec les crayons, les outils, etc., je trouve que cette joie, à mon sens, mais c'est ma vision des choses, hein, elle est sans cesse renouvelée parce que finalement, il y a ma disposition. Au moment où je me mets à sortir ce pot de peinture, cette eau, ce papier, ce pinceau, je suis dans une disposition qui va m'amener à un résultat qui sera complètement différent de la veille, quoi. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas si je Si, m'exprime bien. c'est automatiquement lié à ce qu'on est au moment où on le fait, l'état d'humeur aussi dans lequel on est, Exactement. parce que c'est un prolongement de nous-mêmes. Et donc, quand c'est un prolongement de nous-mêmes et qu'on doit retranscrire ben, en forme, en couleur, d'office, l'émotion va passer. Alors, si c'est quelque chose que technique, un dessin, où je sais que j'aurai du jaune là, du bleu là, et que je sais comment je vais faire, pas de souci. Ben, on peut faire fi un peu de cette émotion, quoique. Mais quand on décide de prendre une page blanche, de s'installer et de le faire justement pour ressortir cette émotion, évidemment, là, on ne sait pas ce qui va sortir. Et oui, on attend un résultat. Et en même temps, parfois, on est souvent surpris que c'est rarement le résultat qu'on avait imaginé. Et souvent, c'est dans le bon sens, quoi. Ou même si c'est pas dans le bon sens, ben, on s'en fout, puisque de toute façon, à la base, on l'avait fait que pour soi. Voilà, ça dépend, oui, l'état d'esprit, l'objectif. En tout cas, ce que je peux dire de mon expérience, je sais que tous les dessins que j'ai faits avec cœur, avec passion, avec envie, sans spécialement un objectif, mais au moment où je l'ai fait, j'ai eu vraiment un gros kiff, comme on dit, c'est les dessins qui, après, résonnent beaucoup plus chez les gens quand ils les regardent. D'accord. Ça, je l'ai déjà constaté, ou parfois j'ai fait des expositions où les trois quarts des dessins, c'était vraiment du cœur, etc. Et puis je dis, ah, mais avec ça, je vais en faire un autre comme ça, parce que ça va bien aller ensemble, et puis les gens vont aimer. Ah, ben, souvent, ceux-là, en partant d'abord de ce premier objectif, restent toujours là, un peu sur le coin, et n'attirent pas spécialement l'attention. Mais les premiers dessins faits avec le cœur, et ça, je le dis toujours à mes élèves, surtout en classe, l'importance de, ça a l'air bête, hein, mais de le réaliser avec ses tripes, parce que c'est, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça, j'ai l'impression qu'on vient y mettre l'énergie dans le dessin, quoi. Il y a une vibration qui passe. Je suis complètement d'accord. Et moi, j'ai à la fin d'une thérapie, il y a de nombreuses années, voilà, pour devenir sophroanalyste, c'est la thérapie de la vie intra-utérine, avec le docteur Claude Imbert, j'ai sorti un jour, voilà, j'ai sorti une feuille raisin. Et moi, ce que j'adore, c'est la craie grasse, tu sais, la craie à l'huile, le bâton à l'huile. Et donc, j'ai fait un dessin. Et il y a des gens qui sont passés à la maison qui m'ont dit, mais tu viens de faire des mandalas. Je ne savais pas ce que c'était. Shame, shame on me, mais c'est comme ça, je ne savais pas. Bref, j'ai sorti un truc du tréfonds de je ne sais où et qui était incroyable. Ce dessin, je l'adore. J'ai essayé de le reproduire quatre autres fois. J'ai fait donc des pâles copies du premier. Mais là, c'était intellectuel, comme tu dis. Là, j'ai raisonné, je dis, ben, là, je vais replacer ça, ça, je vais refaire ça, je vais faire ça. Et donc, j'ai joué à la première version, qui n'a rien à voir en termes de résultats. Et pourtant, c'est les mêmes craies, c'est sensiblement les mêmes teintes, parce que je fais beaucoup, j'aborde beaucoup le cuivre, l'or, hein, l'argent, enfin, tu vois. Et avec beaucoup de couleurs, et ma technique, bah, c'est des ronds, mais je crois que j'en ai déjà fait aussi, enfin, je les ai déjà mis sur Instagram. Et ben, le premier n'a rien à voir avec les quatre autres. Et donc, j'en ai Non. cinq au total. Ça n'a rien à voir, en fait. Mais c'est un peu comme la musique, quand tu apprends un morceau, que tu fais tes gammes, etc. Ben voilà, cette technique, etc. Mais après, quand tu connais ton morceau et que tu vas le jouer en mettant l'intonation, ben, on est dans une autre vibration qu'on offre au Complètement. public. Une Quand autre on est énergie. sur voilà, une autre énergie, quand on fait une pièce de théâtre et qu'on est dans les répétitions et qu'on répète 10 fois le texte et qu'on déclame, et après, une fois qu'on est sur scène et qu'on a le public devant nous, mais qu'on y met tous ses tripes, le texte il sort autrement, alors que c'est la même phrase, les mêmes gestes au même endroit sur la scène qu'on a sorti. Voilà, c'est ce côté un peu magique justement de l'art. Bah, d'où la méditation, parce que moi j'ai eu l'impression là au moment où je faisais ce fameux dessin. Qui était quelque chose qui était de l'ordre d'une espèce de transe, en fait, tu vois? Quelque chose qui n'est pas forcément ni chamanique, ni canalisé, avec tous ces mots modernes là pour dire des trucs. Mais en tout cas, moi, je l'avais vraiment vécu comme ça, parce que ça a été, c'était suite à un rêve aussi. Donc, ça s'est fait.
Et j'ai pas eu besoin d'y revenir 10 fois, en fait. Ce dessin, je l'ai fait point dans la journée. Tandis que les autres, voilà, c'était quelque chose de très intellectuel. Et le premier, comme tu dis, j'ai mis mon cœur, mais j'ai mis quelque chose de voilà, on parlait d'intuition, quelque chose qui m'échappe encore maintenant, tu vois. Puisque je ne savais même pas que ça s'appelait un mandala ou que. Voilà, ça m'échappe complètement. Et là, dans ce processus créatif, là, pour coup, la quête de soi, elle est aussi en forme méditative, je trouve, où justement, on lâche avec l'aspect du désir de l'attente, du résultat, de comparer à quelque chose que j'ai pu déjà voir, mais que j'aimerais reproduire. Et là, je ne sais pas dans quel état il faudrait se mettre. Est-ce qu'il faut justement faire une méditation? Enfin, il faut. Entends bien ce que je veux dire, hein. Oui. Et je ne suis pas en train de donner un message non plus d'injonction, de mettez-vous en méditation avant de créer, mais ça m'est déjà arrivé dernièrement, j'ai fait une méditation avec Geoffrey Secco, qui est saxophoniste que j'ai invité sur mon compte, et qui avait fait j'en ai fait deux avec lui, il avait fait avec Bernard Werber sur une méditation guidée particulière, il en avait fait une autre avec... Je ne me rappelle plus de son prénom, Finel, celui qui est le directeur d'une école d'hypnose à Paris et qui nous avait fait toute une méditation sur notre animal totem. Et de fait de dessiner, j'ai réécouté la musique après, en dessinant je ne sais plus, 2, 3 jours après, j'ai fait des dessins que je n'aurais jamais été capable de faire si je n'avais pas été dans cet état-là. En fait, je trouve, de mon expérience, parce que cette musique avait été tellement forte et ce temps-là méditatif de la musique et de la voix guidée, de l'hypnose, voilà, là c'était sur l'animal totem, et il y en avait plusieurs, c'était au niveau des 7 chakras, et ils nous demandaient d'aller retrouver notre animal en fonction des chakras. Et donc j'ai fait ce dessin, voilà, il est devant moi, il est là, il est posé. Je l'avais déjà posté du reste sur Instagram. Si j'avais analysé, intellectualisé les animaux que j'avais faits, je me serais dit, non, mais t'es grande malade, on dessine pas comme ça, tel et tel animal. Et là, je l'ai fait et je me suis vraiment lâchée, c'est-à-dire que je ne me suis pas donné d'injonction, en fait. Je me suis complètement libérée dans cet état un peu méditatif qui fait que ça a squeezé sur mes attentes, en fait. Et ça a donné quelque chose qui est vachement juste. Enfin, Oui. Ben, moi, dans mon processus, la méditation fait partie de ma vie depuis maintenant 5-6 ans. Au Tout revoir, maman. dépend de l'objectif dans lequel je vais travailler. Si c'est pour moi, alors, et si c'est pour créer, comme je les appelle, mes images lumineuses, je vais faire cette méditation avant. Je vais me mettre déjà dans l'ambiance de mon atelier, je vais allumer mes bougies, je vais créer toute une atmosphère autour de moi qui va me permettre de me reconnecter à l'essentiel pour mieux transmettre mes vibrations. C'est Voilà, ça. alors il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai eu la chance de participer à un atelier transcognitive avec les équipes de Corinne Sombra. Et là, après les exercices de transe, effectivement, on est amené à dessiner. Et donc, c'est une pratique que maintenant j'intègre en plus de la méditation, avant de dessiner, en tout cas certains dessins. Je ne fais pas tous mes dessins comme ça. Et surtout des dessins qui me sont personnels. Et ça donne accès à ton intuition encore de manière plus révélatrice. Et ça sort des choses, on fait waouh! C'est magique, hein? Wow. Ouais, ça touche à autre chose C'est ça. que le papier, la couleur, ça va bien au-delà. Et c'est ça qui est magnifique dans ce genre de processus et de liens qu'on peut faire entre l'art, la méditation, ici la transe. C'est vraiment aller se reconnecter à son essentiel. Alors, tu vois, Ça, ça me c'est fait penser, ça n'a rien à voir, mais en même temps, je pense que c'est un petit peu à voir. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu sais, ça fait penser à l'écriture automatique. Et tu vois, il y a des gens qui font ça pour communiquer, etc. Et moi, en tout cas, le dessin, l'expression manuelle, hein, avec quelque chose, moi, j'ai l'impression que je communique à ma façon et que j'ai ce type de message. Alors, c'est soit avec la matière, soit ce qui est exprimé, peu importe, hein, parce que j'ai pas de message de défunt ni de quoi que ce soit, c'est pas du tout le sujet. Non. Mais c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que
En fait, moi, je trouve que je suis très, très, je suis trop dans l'intellect, en fait, quand je suis dans la création. Parce que des fois, c'est bon, allez, ok, je m'y mets et j'attends quelque chose. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se. Enfin, je veux Non, dire, j'ai des fois. pas, je veux dire, je suis pas dans, alors, c'est pas mon travail, c'est le tien, mais moi, je suis pas payée à la commande, tu vois. Je veux dire, toi, si on te demande, si je te demande de mettre une illustration de ma tête, là, tu vas t'y mettre, tu vas dire, bon, ok, je prends la photo, j'y vais. Mais Oui. moi, je suis pas dans ce processus-là, et tes étudiants non plus, tu vois. Non, mais après, comme je dis, ça fait partie de différentes manières de travailler. Si je vais travailler pour un client, Ben oui. je vais pas commencer à me mettre dans un état, voilà. Évidemment. Maintenant, si c'est un dessin qui m'est personnel, et souvent, moi, le week-end, je dessine encore beaucoup, mais là, plus pour moi. Et là, je vais mettre cette atmosphère parce que j'ai besoin avant tout pour moi, et je le fais pour moi. Et après, si j'ai envie de le partager pour les autres, je le ferai. Et voilà. Ou alors, si j'ai envie de créer mes images comme ça, lumineuses, je sais que je les ai d'abord créées de toute façon pour moi, me faire du bien. Et après, je les partage parce que voilà, ça fait partie de moi, la transmission. Hein, j'aime beaucoup, beaucoup apprendre, je me forme beaucoup à plein de choses, mais j'aime surtout le retransmettre. Parce que je me dis, ce sont des richesses, que c'est trop bête de garder tout ça dans sa poche. Donc voilà, pour moi, c'est comme si j'avais dans ma pratique 5 portes et qu'en fonction de la porte dans laquelle, pour laquelle j'allais ouvrir, je vais installer un état ou pas. Voilà. Après, on est bien d'accord aussi, tous les jours, si je commence à faire mes petits dessins intuitifs, je ne suis pas non plus dans un état ou dans. Oui. En accord avec ça, il y a des jours où j'ai pas envie, ça ne Bien vient sûr. pas, j'ai une mauvaise humeur et comme tout le monde, quoi. Bien Enfin, sûr, bien sûr. voilà. Et voilà. Alors, pour répondre à Maude, franchement, je ne sais pas dans quel état moi je suis dans ces moments-là pour lâcher prise. Peut-être que j'ai un petit côté Rockwater, le côté parfait, tu vois, comme si je voulais quelque chose de parfait, alors que peut-être que je suis trop exigeante avec moi. Donc, j'ai proposé celle-ci, Maude. Rockwater. Je ne sais pas si ça te parle, toi, Thérèse Marie, sur le côté attente, tu vois, de vouloir être un exemple ou d'être parfait dans son expression de l'art. Ah oui, bien sûr, bien Alors sûr. qu'en fait, je me Oui. tire une balle dans le pied dans ces moments-là parce que personne ne me demande rien, en fait. J'ai pas. Non, mais Oui, ben on se met la l'exigence, elle pression est. tout seul, hein. On est plus fort C'est avec nul! se mettre la pression, C'est carrément pourri. c'est nul un peu. Mais tu sais, j'avais fait plein de petites illustrations. Donc, j'ai commencé à faire des petites cartes, mais juste, tu vois, de l'eau, de l'aquarelle et des petits mots, des phrases qui me viennent. Mais ça me va parce que c'est pas figuratif. Mais dès que c'est figuratif, c'est le cauchemar. Bon, Mais il y a un je vais aller côté très. chercher mon illustration juste pour te montrer. Oui. Je crois que je te l'avais déjà montré, non? Oui, tes cartes avec les aquarelles, Non, oui. pas les cartes, le truc que j'avais fait en méditation, ça te dit Non, rien? Je non. vais aller chercher. Et je vais retrouver aussi le prénom. C'est Kevin Finel. Oh là là, je me souviens plus de son prénom. Mais me revoilà. Ouais, Kevin Finel, qui est directeur d'une école d'hypnose. Et c'est ça que j'avais fait. Ah oui. Tu vois, je ne sais pas dessiner un cobra, une libellule, etc. Tu vois? Ouais. Mais là, j'en avais plus rien à foutre, en fait. Et Non. là, alors, pour répondre à Maude, c'est comme si j'avais lâché prise sur mes attentes, en fait. Donc je ne sais pas si c'est une auto-exigence de vouloir être parfaite, hein, ce qui est carrément nul parce que je ne dessine pas comme Léonard de Vinci, tu vois. Ouais. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que pourtant j'ai Oui, pris des oui, cours oui. de dessin, mais bon. Après, moi aussi, hein, tu vas me dire, alors, maintenant fais-moi un éléphant, un tigre, je vais être là. Voilà quoi. Alors Donc, voilà. c'est spécifique aussi. Émotionnellement, c'est quand même très compliqué, je trouve, de lâcher prise. Ça dépend vraiment de chacun, toujours pareil, dans quelle disposition on est aussi au moment où on s'y met, hein. Mais moi, j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de moi, c'est clair. Et quand j'en ai pas, eh ben, c'est vachement cool, en fait. C'est ça dont je m'aperçois. Et alors, je sais pas si tu es OK avec moi, mais bon, moi, c'est mon regard sur ce que j'ai fait. Et je sais pas si c'est pareil pour tes étudiants. Mais des fois, je peux faire quelque chose que je juge à l'instant T, ben, X, c'est-à-dire en général pas moi, enfin, plutôt moyen, mais je peux le retrouver quelques mois, quelques années après, et je peux être super bluffée alors que je porte pas du tout le même regard. Ou inversement. Tu es OK avec ça? Oui, Ça t'arrive aussi? ça m'arrive aussi, ou dans le sens inverse aussi, où au moment où je le fais, je me dis, ah, oh, c'est bien ça, c'est bien ça.
Et une semaine après, je reviens, je fais, mais non, ça ne va pas, ça. Oui, ça, c'est. Mais encore une fois, c'est toujours la pensée qu'on véhicule sur ce qu'on regarde. Le Et regard, ouais. là, c'est. Voilà, et notre regard par rapport à l'art, c'est dur d'être objectif parce qu'on va le regarder avec notre cœur et notre émotion du moment. Donc, si au moment où on a pris ce kiff-là, c'était. Oh, je suis dedans, je suis bien, oh, ça donne super bien et tout et tout. Et puis une semaine après, on est revenu dans le cérébral, on regarde le dessin et on fait oh, ben non, ça ne va pas, pourquoi j'ai mis ces deux couleurs-là ensemble, enfin. Voilà. Voilà. L'art n'est pas une règle en soi. Mais il y a deux choses différentes. Il y a effectivement le, comme tu dis, le kiff et l'état dans lequel on se trouve. Et puis il y a le résultat, c'est autre chose en fait. On n'est pas obligé d'avoir du résultat en fait. On peut être juste bien. Oui. Mais Il y par a un bon contre, exercice à faire, c'est de vous acheter un carnet, mais on ne sait pas enlever les feuilles. ouais. Et dans ce carnet-là, vous faites tout ce que vous voulez, mais surtout, vous ne déchirez pas les feuilles. Ok. Et c'est un carnet, j'ai toujours, c'est un carnet où vous avez le droit de vous tromper et où on a le droit où ce soit, où qu'il y ait des pages où c'est moche. C'est pas Oui, grave. oui. Mais on l'a fait. Et alors surtout, on ne déchire pas les feuilles. Voilà. Parce que. De toute façon, quand on fait ces gammes de musique, bah, on fait beaucoup de fausses notes et pourtant on s'entraîne encore pour faire mieux. Hein. Du vélo, quand on fait du vélo, on va tomber une, deux fois, trois fois, on remonte et voilà. Bon, souvent, quand on sait faire du vélo, on sait faire du vélo, quoique. Ouais, et puis encore une fois, nous on fait du vélo des fois une fois tous les 5 ans. Et on s'attend à des résultats comme si on faisait du vélo tous les jours. Voilà, aussi. C'est un petit peu le problème quand même, parce que c'est vrai que si tu fais tous les jours un peu d'aquarelle ou de gouache ou de ce que tu veux, Ben on a bah fini. forcément, tu as des résultats à la hauteur Tout à fait. de l'expérience. Oui. Alors, il y a Lali qui parle. Donc, j'approuve, j'ai toujours un carnet comme ça. Et même écrire, hein, j'écris n'importe quoi. Très bien, Et oui, ben c'est bien, il faut surtout pas là. déchirer. Moi, l'écriture, ça va, je fais pareil. Mais par contre, jamais fait le carnet de dessin. Souvent, j'arrache et après, il y a des feuilles à droite, à gauche. Moi, l'écriture, j'ai plusieurs carnets, enfin, j'en ai plein. Oui, moi J'en aussi. ai un où j'écris tout ce que je veux, même méchant, etc. Là, là. Mais alors, je ne le relis pas. Je Oui. le cache et je ne le relis pas. C'est mon Oui. défouloir. Et d'autres où je vais réécrire toutes les lectures, parce que je suis une très grosse lectrice, tout ce qui m'a inspirée. Et là, j'ai des carnets, des carnets, des carnets. Et puis, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps mes pensées. Et je me dis, celui-là, je ne vais pas l'arracher non plus, je vais le laisser. Oui. Et je ne vais pas le cacher non plus. Oui. Voilà. Mais l'écriture, c'est oui, c'est la même chose. C'est comme là, c'est libérateur, quoi. Complètement. Et même si on n'a pas la prose qui va avec, l'idée, c'est dans le geste. Et revenir avec l'écriture à la main, c'est une forme de méditation aussi. Hein. Complètement. L'écrire, moi, j'adore le stylo, écouter ce sur le papier, Ben, en fait, on est enfin sentir l'odeur. tout, bien Tout sûr. ce rituel, comme la peinture sur le papier, C'est la même chose. la peinture qu'on vient mélanger dans son godet, qui vient frotter le papier, c'est encore différent que par exemple quand je travaille sur ma tablette avec mon stylet, où j'ai toujours cette même sensation de glissement. Alors j'adore faire la tablette parce que j'amène des effets qu'il me faudrait 10 ans pour arriver à le faire en peinture, avec les lumières, etc. Et là c'est vraiment toute une dimension que j'ai pas sur le papier. Mais sur le papier, j'ai tout le rituel qui est lié à la peinture. C'est-à-dire, je choisis ma couleur, je mets dans le godet, dans la palette, je mélange, j'ajoute l'eau. La dextérité de la texture de la peinture, c'est de l'aquarelle, c'est de la gouache. L'odeur, tout. L'odeur, quoi, c'est la différence quand on lit un livre papier, un livre tablette. Alors, les deux sont très, très bien. Mais ch chacun a ses petits plus. Et voilà. Écoute, tu donnes envie, tu vois, de s'y mettre, c'est trop, trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi, oui, que tu faisais des illustrations et que ceux qui ont envie d'avoir des illustrations spécifiques, faut pas hésiter à demander à Thérèse Marie parce que c'est aussi son travail. Donc, elle peut réaliser des petites vignettes. Tu as fait ça aussi pour les thérapeutes, hein? Tu peux nous expliquer en deux mots? Alors, j'ai un service qui s'appelle je me propose de réaliser des mantras visuels.
Alors, le mantra visuel, en soi, ça n'existe pas. J'ai un peu inventé ça. Très bien. Sois plutôt Voilà. créative. Voilà, c'est grâce à une cliente. Voilà, en fait, je propose aux gens qui suivent des thérapies, que ce soit en EFT, en hypnose, en PNL, en respiration, EFT, fleur de Bac, Reiki, et j'en passe et voilà. des meilleurs, tout le monde. Des thérapies où la visualisation est importante, enfin, est là comme déclencheur pour dénouer ces nœuds. Et je me repropose pour retranscrire l'image positive qui leur ont permis de passer un cap. Donc, Qu'on appelle moi, l'ancrage en fait en voilà. PNL ou voilà, Voilà. exactement. Et moi, Ou en de mon sophro. côté, ben, j'ai aussi vécu, enfin, je vis un chemin. Je travaille avec une dame qui fait de l'EFT, je fais de la respiration et maintenant la transe. Et je vis des choses visuellement intérieures, fortes. Et ce qui est assez comique, c'est qu'il y a des dessins que j'ai dessinés qui sont devenus même mantras visuels, qui sont apparus dans mes visions, qui ont été comme si je les avais dessinés avant, que c'était l'image que mon corps cherchait à créer pour me libérer. Et là, Génial. il n'y a pas longtemps, j'en ai libéré un gros, et là, j'ai fait la géométrie sacrée autour de ça, et ça raconte toute ma libération transgénérationnelle. Et Magnifique. donc, voilà, je me propose pour vraiment dessiner l'image qu'ils ont mise dans leur cœur, qui était libératrice, qui était positive, de la Complètement. retranscrire au mieux, pour que bah, chaque fois qu'ils vont la regarder sur leur mur, ça va leur rappeler le chemin qu'ils ont fait, mais surtout leur dire, regarde, c'est à ça que t'es arrivé, c'est beau, bravo à toi, ancre-le dans ton cœur et continue ton chemin, tu vas dépasser tout ça, quoi. Donc, c'est un service auquel enfin, sur lequel... j'ai beaucoup de. Je suis beaucoup attachée parce que il a été bénéfique pour moi et je me suis dit, mais tiens, si moi j'ai su dessiner mes dessins qui m'ont libérée, ben, voilà, autant partager mon savoir-faire aux autres, écouter ce qui leur a permis de les libérer, de l'imaginer, me mettre à leur place et voilà. Mais du coup, parce que je te pose la question, parce que moi, quand j'ai terminé ma thérapie aussi, enfin pendant la thérapie, toutes les prises de conscience que j'ai eues, je les ai dessinées en cartes. Et ça fait une cinquantaine de cartes que j'ai à disposition de mes propres ancrages au fur et à mesure de chaque séance que j'ai faite. Et comment ça se passe avec ton client? Parce que moi, j'avais cette vision-là. Alors évidemment, la réalisation n'est pas, entre guillemets, ça n'a pas un copier-coller de ce que j'ai vécu, parce que voilà, mais c'est pas grave, c'est un ancrage et ça reste quelque chose qui reste quand même visuellement et auquel j'ai accès tout le temps, puisque ce jeu, je l'ai depuis 20 ans avec moi. Mais toi, tu fais des allers-retours Oui. audio, visuels, et vous discutez, Donc parce que la personne peut dire ouais, mais non, c'est pas vraiment comme ça, et tu oui. refais le dessin à chaque fois, ou tu as un Non. package de temps, et tu dis ok, j'ai un package de 3 heures pour toi, et c'est temps, ou elle te balance son idée, et tu te débrouilles avec ça. Est-ce que vous êtes toujours en phase entre le rendu de ta création par rapport à sa perception de son ancrage? Mais non, ce que je propose, c'est un appel en visio pour Ouais. ben, déjà pas m'expliquer tout le parcours parce que ça appartient à la personne, Non, non, mais je parle juste mais vraiment du. de l'image C'est finale, ça, exactement, ce que tu de appelles cette, l'ancrage. voilà, l'ancrage. Ouais. Donc je demande de me la décrire plus Plus détaillée, précisément, ok. précisément possible, Ok. les couleurs, la position, qu'est-ce qu'il y avait, l'ambiance aussi, est-ce que c'est sombre, lumineux, Ouais. ou est-ce qu'il y avait les deux, est-ce qu'il y avait un cheminement? Et puis ce que je fais, c'est que je fais un croquis. Ah, ok. Donc je laisse passer le temps, je note tout, moi je digère ça, je visualise moi-même dans ma tête ce que ça pourrait donner. Et puis je fais un croquis. Puis le croquis, je l'envoie au client, puis le client me dit oui, et ça, mais tu sais pas plutôt mettre cette fleur-là plus par là, ou cet élément-là un peu plus grand, parce qu'en fait, moi, je voyais beaucoup plus grand. Et puis là, j'adapte sur mon croquis, et puis je le remonte. Et alors, là, les mantras visuels, je les fais à la tablette. C'est un dessin numérique, parce que ça me permet de bouger, de changer la Les éléments, couleur, chaque élément bien séparément. sûr. Et donc C'est pour après, ça que je je me dis coupe. c'est très subtil, parce que pour s'identifier à un ancrage, il faut que ce soit vraiment fidèle à sa réalité, sa Voilà. perception de l'ancrage. Voilà. Mais c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est C'est ça que arriver à se je. mettre à la place de Ouais, l'autre, c'est magnifique de comme idée. retranscrire
enfin d'être ses mains en fait dans son émotion. Et puis voilà, donc à la tablette, je leur montre le dessin et elle me dit, ah mais en fait, le fond, moi je le voyais beaucoup plus lumineux. Hop, j'adoucis le fond, je remontre. Et voilà. C'est magnifique. Voilà. Je trouve que l'idée est tellement poétique et tellement belle, parce que ces prises de conscience, quand on les a, c'est tellement important. En fait, c'est la concrétisation vraiment de notre passage à l'acte ou de notre apprentissage de mille et une expériences, enfin, peu importe, hein, mais je trouve que c'est tellement beau de le rendre vivant, en fait, hein, de l'acter dans la matière. Parce qu'après, on a aussi dans le temps tendance à oublier qu'on a vécu des choses, mais surtout qu'on les a dépassées. Exactement. Et c'est aller mettre le point sur dire, tu vois là, tu l'as dépassé, tu as été au-delà. Waouh, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière, c'est cette petite victoire intérieure. Grande. Oui, c'est grande victoire, tout à fait. Je dis toujours petite à tout, il faut que j'arrête. C'est clair. Ah ouais, là, pour Non, le mais c'est coup. vrai, quand je parle de mon entreprise, j'ai toujours ma petite entreprise, ma petite voiture, mon petit truc. C'est vrai, j'ai une petite voiture, mais bon. Ouais. Voilà. Non, mais là, pour le coup, des victoires sur soi, à mon sens, Oui, on peut y voilà. aller carrément, quoi. Et Voilà, des fois, mais c'est même pas grand, c'est énorme. voilà. Et comme moi, je l'ai vécu et que j'ai la chance de pouvoir les dessiner, soit avant de manière, à mon avis, intuitive ou après, pour vraiment les ancrer. Et vraiment, le dernier dessin que je l'ai fait, j'ai mis une semaine. Et c'est comme si en le faisant, j'acceptais cette libération et en même temps, je me disais, je rendais vivante cette libération et je l'actais pour l'ancrer en moi en disant, c'était bien vrai, je l'ai fait, c'est passé, mais je vais Complètement. garder sur les yeux pour me rappeler à chaque fois, ben, finalement, quelle belle aventure au final j'ai pu vivre puisque je me suis rencontrée dans cette aventure. Complètement. Voilà. C'est très chouette. Eh ben, merci beaucoup, Thérèse Marie. Mais de rien, merci à toi, Nathalie. Alors, cette vidéo, je vais la mettre sur IGTV maintenant. Et puis pour ceux qui ont envie de partager, avec des gens qui n'ont pas Instagram, bah, je la mets sur YouTube. Donc, vous pourrez après la regarder. J'enverrai le lien à Thérèse Marie. Et puis, si vous avez des questions ou des envies, encore une fois, je mets toujours le lien de la personne avec son site web et compagnie. Donc, allez la rencontrer. Et merci, c'est très gentil. Et du coup, bah, faites des cours à distance aussi. Prenez du temps pour vous. Voilà. Vous savez qu'elle existe et que voilà, moi je suis là aussi pour les fleurs de Bac. Et puis on aura peut-être l'occasion de faire un autre live un jour sur une Oui. thématique particulière. Voilà, on verra. Voilà. Peut-être qu'on Complètement. collaborera aussi ensemble dans des groupes, des stages, des trucs et des bidules. Et donc voilà. Vive la vie, quoi. Vive la vie. Merci à tous d'avoir été présents et ceux qui vont Merci, merci à continuer. vous. Voilà, douce Oui. soirée à vous deux. Merci beaucoup Merci Maude. beaucoup à tout le monde. Ouais, merci. Au revoir Thérèse Marie. Au revoir.